Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils. Qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues. Qui donc regarde d'autres gens en train de jouer, voilà. Pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. Il y a des idées qui peuvent sembler banales, mais qui sont d'une puissance rare. L'idée voulant que le consommateur a beaucoup de pouvoir par ses achats est tout à fait vrai. Ça semble tomber sous le sens, mais une fois mis en pratique par la population, l'effet peut être spectaculaire. Dans un contexte de COP21, c'est d'ailleurs le message à retenir, bien au-delà de ces acteurs mondains qui viennent vous dire de pisser sous la douche. La véritable idée qui nécessite pédagogie, c'est que le consommateur doit transformer sa posture d'indignation en posture de sanction. Si dans la vie, une valeur vous débecte et qu'une marque y contribue, alors faites l'effort de ne pas être complice de sa croissance, même si, franchement, ce n'est pas simple. Je reste vague, car les valeurs défendues par chacun sont à la liberté de notre petit jardin secret. Je me garde bien de vous faire la leçon. Je ne peux alors que donner un exemple de mise en pratique de cet enseignement. Cette semaine, le site des Inrecuptibles a franchi une ligne rouge, le test Sponso de jeux vidéo. L'éditeur Bethesda a écrit lui-même le test de son propre jeu sous forme d'éloge ininterrompu et l'a fait publier sur le site des Inrecuptibles de façon volontairement ambiguë. Le but étant que le couillon moyen, j'imagine que c'est le terme qu'il dure employer, ne fasse pas la distinction. Le site brouille les pistes tout au long du test, à la manière du « on a joué à Fallout 4 » qui simule le style du journaliste. L'article est signé « Contenu partenaire » avec la mention « en partenariat avec Bethesda ». Un terme déroutant qui sous-entend un partenariat alors qu'il s'agit purement d'une carte blanche laissée à l'éditeur au vu du discours dithyrambique totalement unilatéral. Voyez, dans cet exemple, si la manipulation d'une audience sur Internet est une valeur que vous rejetez, alors l'important n'est pas de s'en indigner, non, l'important est de sanctionner, par votre absence, le site en question. Quoi qu'il en soit, dans ce monde nouveau, l'ironie du sort est délicieuse. Car même un journal bâti sur des idées d'intelligence et d'indépendance proclamées est devenu de très loin bien moins fiable qu'un youtubeur amateur. T'as qu'à pas violer la loi, andouille ! Un conte pour les gouverner tous. Cette semaine, la promesse de Nintendo est devenue réalité au Japon. L'idée est simple, vous avez un Nintendo à compte qui unifie toutes vos expériences Nintendo, quels que soient les supports. Un compte unique que les Japonais peuvent ouvrir sans forcément avoir de console, et qu'ils peuvent retrouver un peu partout, sur leur console Nintendo, ou leur smartphone, ou leur PC. Un compte qui permet entre autres de commander ou retrouver ses jeux, ou de se répandre automatiquement sur les réseaux sociaux. Nintendo nous avait prévenus à demi-mot. Lorsqu'il nous voyait nous frotter sur la jambe des gros GPU, il nous avait déjà glissé que la plupart des devices d'aujourd'hui avaient déjà la capacité de faire tourner des jeux, trahissant ainsi sa prochaine stratégie qui, après avoir visé l'ouverture au public le plus large possible, voulait viser l'ouverture au plus large type d'appareil possible. Car Nintendo est au-dessus de la guerre des consoles. Il cherche à gagner une autre guerre, la guerre du temps d'écran. Parce que la populace glandouille sévère au quotidien derrière son écran et qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne glandouille pas plus tôt face à du contenu Nintendo. Une guerre du temps d'écran à aller grappiller donc, qui passe par la compatibilité Facebook et Twitter du compte unique Nintendo, et qui passe aussi par des applications de glandouille, comme son prochain jeu mobile, qui est en fait un réseau social avec des éléments de gamification. Et puisqu'on glandouille aussi dans les transports, pourquoi ne pas faire de la NX un device portable ? Et comme on glandouille aussi devant sa télé, pourquoi ne pas demander à la NX de swapper son jeu sur la télé le soir venu ? Enfin, moi je dis ça, j'ai dit tout. J'ai pris rendez-vous avec quelqu'un qui veut voir mon travail. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde de la merde. Un homme politique, Nicolas Sarkozy, connu pour avoir gouverné la France en l'an 14 après la Jaguar d'Atari, a dit quelque chose qui a déplu aux internets. Il a dit lors d'une discussion sur les jouets armes en plastique qu'on offre en cadeau à Noël, qu'on pourrait peut-être regarder de plus près ces jeux vidéo d'une violence inouïe qui sont dans tous les cadeaux qui sont donnés. Attention, oh là là, ne faites pas l'erreur de vous demander s'il a raison. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Son point de vue est celui de quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux jeux vidéo. C'est son droit. Et qu'est-ce qui est visible pour quelqu'un qui ne s'y intéresse pas activement ?
Eh bien voici, grâce au rapport de la société ICO Partners, les jeux qui ont eu le plus de présence dans les médias en novembre. Les 7 premiers jeux sont des jeux qui incitent fortement à pratiquer le tir à vue pour résoudre les problèmes, avouons-le. Et si on se fie aux publicités qui ont réussi à passer à la télé, ce n'est pas mieux. Donc s'ils disent ça, avec un ton certes qui caractérise sa passion pour le manque de nuances, c'est aussi de la responsabilité de la couverture médiatique qui renvoie une image particulière. Et ça, c'est comme la musique. Si vous n'êtes pas fan de musique, vous vous tapez le top 50 médiatique et vous clamerez que la musique de maintenant, c'est quand même savamment de la merde. Mais si vous parlez à un mélomane, il ne connaîtra pas le quart du top 50 et vous dira que la musique, c'est surtout autre chose que ça. Et oui, alors calme-toi.